Bien que très cultivé, Émilien, indétrônable maître de midi des 12 coups de midi, TF1, a commis une erreur qui a beaucoup surpris Jean-Luc Reichmann, samedi 6 juillet. Un candidat brillant au parcours irréprochable. Émilien, qui a célébré sa 200e apparition dans les 12 coups de midi le 12 avril dernier, est incollable sur de nombreux sujets. Pourtant, dans l'émission diffusée samedi 6 juillet sur TF1, le jeune maître de midi a exprimé ses doutes en répondant à une question posée par Jean-Luc Reichmann. Et a donné la mauvaise réponse, ce qui l'a fait passer à côté d'un coup de maître. Une erreur qui a beaucoup surpris l'animateur. Déçu, ce dernier n'a pas hésité à réprimander le petit ami de Jessica. Jean-Luc Reichmann interloqué, mais vous rigolez? On en a parlé ici. Cette fameuse question était la suivante, de quel parc d'attractions est issu le mime et l'étoile, élu meilleur spectacle du monde? L'étudiant en histoire de 21 ans avait le choix entre trois réponses, qui étaient le Futuroscope, le Puy du Fou ou Nigloland. C'est pour la première proposition qu'Émilien a opté. Au grand désespoir de Jean-Luc Reichmann. Là, je vais vous en vouloir. Mais vous rigolez? On en a parlé ici. Et de temps en temps, on offre le meilleur spectacle du monde, a aussitôt réagi l'animateur, comédien, humoriste et producteur de 63 ans, visiblement choqué par cette bévue. À chaque fois, je prends l'accent de Monsieur de Villiers, le Puy du Fou. Mortifié, le candidat s'est confondu en excuses, précisant ne pas connaître le spectacle en question, « Je suis désolé, je ne savais pas. » Émilien, les 12 coups de midi, un candidat qui fait l'admiration des téléspectateurs. Nul doute qu'Émilien, un candidat manifestement très consciencieux, redoublera d'attention lors de ses prochaines révisions, afin de ne plus être piégé sur une thématique dont Jean-Luc Reichmann a déjà parlé dans les 12 coups de midi. Depuis son arrivée dans le programme à succès, à l'automne 2023, le jeune homme s'est attiré la sympathie des téléspectateurs, qui admirent sa détermination et sa soif de connaissances, et ne devraient pas lui tenir rigueur de cette méprise. Régulièrement, les autres participants le défient en duel pour tenter de le détrôner. Mais jusqu'à présent, celui qui s'imagine bien dans le corps professoral à l'issue de ses études a toujours tenu bon, faisant la fierté de ses proches. Article écrit en collaboration avec 6 médias.